Barbra Streisand. Donc écoutez, sérieusement, ceux qui sont là pour jouer RP, vous restez. Tous ceux qui sont venus pour troller ou faire les cons, vous sortez de la classe. Je vais pas vous sanctionner, vous sortez. Bien dit, monsieur. Voilà. On sort tous, les gars. C'est ça, mec. La porte est grande ouverte, donc tous ceux qui veulent sortir parce qu'ils en ont marre du cours, parce que voilà, parce que pour vous c'est pas parce que vous voulez plus jouer l'RP, vous sortez. Voilà. La porte au baston, mec. Ta gueule. Moi ça sonne déjà. Bonjour. Alors, ça, une pizza, non, ta gueule. Votre gueule. C'était moi le premier de la file. Imisam, vous voulez démissionner? Il va d'être. Et toi, tu peux fermer ta bouche à l'étranger, merci. Vas-y, barre-toi. Ta gueule, oh lui. À moi ça, la bouge. Merci madame. Elle se bataille, me l'a bouffé. Mais comment lève la main? Comment lève la main? Hi Hitler. Bonjour. Et tu réponds normalement. C'est bon quoi? Non, 999 c'est pour du nazi. Faut être con, rapport à Hitler. Oh mec, il glitch. Oh, je suis derrière la fenêtre, mec. Moi je veux bien. Tu Assassin's Creed. La lune tourne autour de quoi? Le soleil n'est pas le centre de la galaxie, monsieur. Dis la terre, dis la merde là. J'ai pris des doliprane. Tu racontes de la merde. Ah, le prochain qui parle, je vous jure, c'est direct. Elle est la première que Kim Kardashian. Le mec, je suis ton père. Mais ta gueule, t'as cassé. Faut après, laisse la rire. Et quoi, toi? Attends, je vais mettre une voix de merde. Il a rien compris. Monsieur prof, Bruno, fermez vite. Bruno, s'il te plaît. Fermez la porte, les gars, boum. Putain, vous dites 14 quoi. NYPD, LAPD, NYPD. La mère. Pognon, donne-nous pognon. Oh, donne le pognon là. Donne tout, la vieille. Allez, vas-y. Lâche le fric. Lâche le fric. Hop là, qu'est-ce qu'il y a? 1-0. 2-0. 1-0. Allez, on joue là. Bonjour à tous mes petits farfas des nationaux. Vous m'avez tous reconnu, c'est Jean-Marie Le Pen. Aïe. Il a fallu que je me reconvertisse dans... comment dire... dans l'éducation nationale, n'est-ce pas? C'est quoi le conseil d'éco? Monsieur le directeur. Donc alors aujourd'hui mes enfants, je vais vous parler de Pierre, son grand personnage, son grand bonhomme. Après, ok. Avec sa grande moustache. Ok, d'accord. Vous avez pas très bien compris la question. Donc alors, Hitler est un grand bonhomme.
Retourne dans la chambre à gaz. Staline n'a pas fait le bon travail, hein. Mais quel bâtard. Travail, Staline. C'est pas Staline, Staline, il a fait le goulag, espèce d'abruti. Gloire au panda, l'appel du peuple, tous au goulag, envoyez-y vos frères. Donc alors, Hitler, connard ou gentil, telle est la question. Monsieur le directeur, Hitler était un gentil ou un méchant? Un fils de pute. Eh bien, et vous, monsieur le professeur d'allemand? Il était très gentil, je le connais personnellement. Un grand bonhomme, tout le monde l'adorait. Dans la société, n'est-ce pas Marine? Non, je suis rien. Bien, je tu vas voir que tes nichons ils vont te servir plus à rien, espèce de salope. On retourne à Auschwitz, connasse. Gonna fuck your shit, gonna fuck your shit, gonna fuck your shit. Gonna knock you. On représente le Front National, n'est-ce pas? Regardez les enfants, c'est un noir. Profite de ta journée, vas-y, toi. Wesh. T'as pas ça, la dernière. Alors fais gaffe. Alors vas-y toi à la sortie, je te défonce ta race, toi. Pas les papiers. Eh, t'inquiète, tes papiers, je t'ai enfoncé dans le cul, sale fils de pute. Espèce de négro, va. Moi, je vais t'enculer un sec, mon pote. Yo, espèce de gros porc. Retourne manger tes merguez. Tu le prends pour toi. Le seul chose que tu pourras enculer, c'est une chèvre.